50 avant que n'apparaisse Éric Casimir. Alors, va-t-il être plus chanceux à la barre fixe qu'au cheval d'Arçon? Réponse, 1 minute 10. Il a le devoir de se rattraper. Allez. Belle ligne, hein, Casimir. Les grands tours Stalder, les jambes proches de la barre. Oh là là, tour d'un bras manqué. Bah, eh bien, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Il savait qu'on était en direct sur France 2. Ah, je pense pas, hein, sinon on n'aurait pas fait ça. Ah, il fallait le prévenir, parce que là, il nous fait une petite, il se la joue comme à Antibes, hein, à l'entraînement. Il s'est très bien récupéré quand même, je dis ça par rapport à la chute, car sur le grand tour autour du bras, il aurait dû rattraper la barre. Et malheureusement, celle-ci lui a échappé. Allez, Eric, fais-nous un beau mouvement. On apprécie. Allez, regardez ici, il aurait dû reprendre la barre. Ah là, ouais. Mais il était un petit peu nonchalant sur cette affaire. Ça, c'est vrai que c'est un sport où la concentration doit être optimale. Bon, bah, écoutez, Pierre, rien ne lui réussit aujourd'hui. Sans danger, sans conséquence, mais regardez si c'est spectaculaire, le catch-up avec cette chute. Il monte et il ne se rattrapera jamais. Heureusement, il y avait le tapis de réception doublé. Et les gymnastes sont habitués à chuter au cours de l'entraînement de cette manière, ce qui fait qu'ils savent bien tomber sans se faire mal pour autant. Oui, mais on a vu des tapis plus durs. Hein. C'est vrai, ça aussi, ça a beaucoup évolué. Allez, on va finir ce mouvement quand même. Ben, il nous a gratifié d'une jolie chute. Hein. Oui, il a assuré le spectacle aujourd'hui. Bon, allez, il termine simple, double arrière tendu. Voilà, mais... de mieux, il a la cote auprès du public, puisque celui-ci l'encourage fortement. Mais le Éric Casimir savait peut-être qu'il ne gagnerait pas aujourd'hui. Parce qu'il y a un certain Yann Kutchera qui va passer dans quelques...